Salut, bienvenue dans les foins 2022. Alors une fois qu'on a attelé sa faucheuse, on peut faucher. Mmh. Et le but du jeu, c'est de ne pas rouler sur le foin qu'on n'a pas encore fauché. Allez, suis-moi. Jour numéro 2, après avoir fait un peu de mécanique tracteur, je peux enfin faner, bouger un peu le foin, le remuer. J'espère qu'elle est bien réglée, enfin j'y verrai à l'usage. Allez hop. Alors faner, ça brasse le foin, du coup ça permet de sécher plus vite, et pour qu'il soit pas humide quoi. Alors ici, j'ai laissé une bande enherbée, un rond de sorcière pour la biodiversité. Ça s'appelle aussi un mandala de Magali Nature. Ici, il reste quelques adventices à enlever pour que ce soit propre, entretenu et qu'on puisse gagner du territoire. Mais bon, vu que débroussailler, c'est pas vraiment un métier, j'attends que ce soit l'hiver pour pouvoir facilement les enlever. Qu'on attelle les chats pour partir à la chasse aux campagnols. Salut! Troisième jour, je vais en dénée. C'est l'action de remuer le foin et de le rassembler en ligne pour pouvoir le récupérer ensuite. Alors là, l'importance de ranger le matériel correctement pour pouvoir le récupérer facilement, atteler, dételer. Les andins sont terminés, ça fait des belles buttes de permaculture, on va pouvoir planter directement dedans. Voilà, faut les faire les plus droites possibles pour ensuite ce soit facile à ramasser. Et hop, pour enlever le nid des petites guêpes teigneuses, combinaison adaptée. Lève cadre et boîte en carton, pas besoin de pesticides. Coucou, quatrième jour, c'est l'heure d'utiliser la preset basse densité. J'ai passé des heures et des heures à l'entretenir en lui mettant des nouvelles roues, en faisant tous les points de graisse, donc elle a intérêt de fonctionner. Alors je vois que tout le monde attelle sur la barre à trous,
mais ça prend vraiment des angles inquiétants dans les virages, donc j'ai essayé de restreindre un peu comme j'ai pu. Sinon c'est la cardan, la transmission, qui retient la remorque du coup. C'est un petit peu tendu. Salut, salut! Cinquième jour je crois. Bon, j'ai eu des problèmes, j'ai pas tout pressé. Déjà à l'arrière il fallait pas mettre de trucs pour restreindre, parce que ça a commencé à plier la tôle. La tôle! Donc ça c'est non. On pourra trouver peut-être une autre solution. Mais en attendant, c'est le cardan qui tient le reste. Les pneus, il n'y a pas eu de problème. Les chaînes, elles ont essayé de sauter, mais ça aussi, c'est pareil, c'est parce que la presse était réglée trop basse. Et les noueurs, évidemment, les campagnols avaient mangé les ficelles et ça marchait pas tout de suite au premier coup. Maintenant, ça fonctionne. Alors, une presse basse densité. Comment ça marche? Eh bien, c'est très simple, on met de la ficelle Sisal 370 vendue dans toutes les bonnes coopératives agricoles. On fait attention de bien l'enlever pour pas que les campagnols le mangent. Ça passe par là, ça va dans toutes les rondelles possibles, dans celle-ci aussi. Et ensuite ça se passe dessous, alors il faut s'allonger dessous. Voilà. Ça prend le chemin le plus simple par cette rondelle, celle-ci, et enfin ça repasse dans le noueur. Et au début, quand on les installe, il suffit de les accrocher, faire un petit nœud sur la barre ici, et le noueur s'occupe automatiquement de l'attraper et de la couper. Ensuite, elle va là, et les noueurs, bah justement, leur métier c'est de nouer. Ils font ça tout seuls, de façon mécanique. Faut bien penser à faire tous les points de graisse, effectivement. Là, 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 là. Donc ça, ça roule, ça roule, ça roule, et une fois que ça s'est roulé, paf, ça casse la ficelle. Et là, on peut compter les bottes, mais ça marche pas. Alors, l'histoire de cette chaîne, elle m'a beaucoup embêté. C'est de ma faute, j'aurais dû y penser avant. Elle m'embêtait déjà l'année dernière. Et elle est réparée à trois endroits différents. Alors ça s'appelle une chaîne à rouleau, et c'est une taille de rouleau de 10, diamètre 10 mm. Celle-ci est réglable, et celle-ci est enlevable. Bon bah celle-ci aussi peut s'enlever d'ailleurs. Et là je crois qu'il manque une espèce de rondelle pour le tenir. C'est pareil. D'ailleurs c'est un peu bizarre qu'il y ait deux écrous à la suite. Alors aussi, on a un diamètre de 16 ici, encore un 10 derrière, et de l'autre côté, un diamètre 12. Et ben voilà, fini. Remorque attelée. Pour aller les récupérer. Attelée au tracteur, hein, parce que derrière la voiture, c'est un peu n'importe quoi. Au niveau de la chaîne, je l'ai réparée en faisant une petite réparation de fortune. Bon, je peux pas le montrer, là, c'est complètement caché derrière. Mais j'ai juste coupé une petite rondelle comme ça pour bloquer un pignon. Et voilà. En réfléchissant un peu, on arrive à faire des choses. L'autonomie, c'est très facile. Ah bah moi, hein. Pour les grandes surfaces, le tracteur. Et pour le reste, on peut utiliser la faux. Comme ça, pas besoin de gazonnette. Et pas besoin de broussailleuse. C'est très facile. Yep. Sixième jour, récupération du foin. À l'aide d'une petite remorque routière, parce que j'ai rien d'autre.
Les chats jouent à l'automoto. Petit à petit, le foin est récupéré. Les belles bottes, on les met ici, dans le fenil. Non, c'est pas pour les chiens, c'est pour le foin. Alors, c'est mis sur bout de bois, hein, ce sera peut-être bâché. Dans l'idéal, il faudrait une cabane. Là, il y aura la cabane à bois aussi. Ça fera partie d'un prochain chantier. Et les bottes qui sont mal ficelées, qui manquent une ficelle sur les deux, elles seront mises plus dans le potager. De toute façon, il y en aura deux trop là pour les conserver. Peut-être trouvez-vous que l'on vous traite injustement. Alors sur des hectares, il y a moyen d'en faire environ 400 bottes. Peut-être qu'on pourra en faire plus, mais j'en ai que faire. Le meilleur outil, la fourchette, ça évite de se faire mal et ensuite de passer pour un fragile. Est-ce qu'il n'y a que ceux qui sont mal qui sont fragiles? Ou l'inverse, que ceux qui sont fragiles qui seront mal. Bonsoir, fin du 7e jour, c'est fini. Alors ça aurait pu mettre moins de temps, ça dépend de la main d'œuvre, l'entretien du matériel, du type de matériel. Puis là, vu qu'il faisait vachement trop chaud l'après-midi, et ça tout le monde a dû se rendre compte, eh ben, j'ai mis beaucoup plus de temps et j'ai travaillé plus de soirées. Et donc ce soir c'est le 13 juillet, c'est la pleine lune, et ça c'est vachement rock'n'roll!